Nous sommes à Régnier, en Haute-Savoie. C'est dans ce petit village que vit Denis, 24 ans. Il est saisonnier et travaille en tant que plongeur dans un restaurant. Au premier abord, on pourrait penser que c'est un garçon comme un autre. Pourtant, Denis a une particularité. Quand il va dans la salle de bain, ce n'est pas pour se raser, mais pour se maquiller. Grâce au maquillage, je peux enlever tout ce qui est viril, donc ça va avoir la barbe. En quelque sorte, oui, j'essaye qu'on me confonde avec une fille parce que je trouve que oui, les filles sont tellement plus belles. Fond de teint, fard à paupières, poudre et crayon, Denis met le paquet pour ressembler à une fille. Il n'hésite pas à sortir ainsi et se moque du qu'en dira-t-on. Je comprends qu'il y a des gens qui puissent trouver ça bizarre, c'est vrai, c'est possible, mais c'est comme ça que je me sens à l'intérieur, donc c'est tout, j'assume, j'aime bien, donc je fais quoi, tout simplement. Et Denis ne fait pas les choses à moitié, il aime les vêtements féminins, mais surtout quand ils sont très extravagants. I'm sexy and I know it. Barésie vert fluo, haut en dentelle, robe sexy, Denis n'a peur de rien. I'm sexy and I know it. Sa fascination pour l'esthétique féminin est profonde et remonte à l'enfance. À 6 ans déjà, Denis ne jouait pas aux petites voitures. Comme la plupart des petits garçons, il préférait s'amuser avec les collants de sa mère. Depuis que je suis tout petit, c'est parti de là. J'allais fouiller dans l'armoire de ma mère pour essayer de trouver ses collants. Et au fur et à mesure, tout doucement, je commençais à... Je dis « Ah, mais ça serait bien d'associer les collants avec autre chose. » Et donc j'allais chercher une jupe, après des chaussures, après un haut et tout. Si Denis est aujourd'hui un homme qui s'habille en femme, c'est aussi à cause de son physique naturellement androgyne qui lui joue des tours depuis toujours. Quand j'étais petit, c'était tout le temps « mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle » et jamais « jeune homme ». Au début, ça m'énervait énormément. Puis j'ai dit « Pourquoi ne pas en jouer ?» Puis vu que j'aimais déjà un peu les vêtements féminins, ben, c'est parti d'un coup comme ça. Pendant plusieurs années, Denis se cache, mais à l'âge de 17 ans, sa mère finit par le surprendre. Et là, c'est le coup de massue. Bah oui, ça a été un choc pour elle. Donc elle m'a dit « Va vite enlever ça, c'est pas pour toi, t'es un garçon, tu devrais pas mettre ça. » Je fais « Tant pis. » Et puis bah, j'ai continué en cachette, mais aujourd'hui, elle n'aime toujours pas, loin de ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle accepte de sortir avec moi comme ça. C'est complètement différent avec mon père. Lui, il accepte à la maison, mais il n'accepte pas de sortir avec moi comme ça. Il aime pas du tout. Enfin, c'est pas qu'il aime pas, c'est qu'il a peur du regard des autres. Et il y a de quoi. À chaque fois qu'il sort dans la rue avec son allure, le moins que l'on puisse dire, c'est que Denis ne passe pas inaperçu. Cet après-midi, il fait du shopping à Genève, en Suisse, et comme toujours, des passants intrigués s'arrêtent pour le questionner. Ah, pour un travelot, on aurait pu faire du travail. Non, pas travelot, jamais travelot. Vous appelez ça comment ? Bah, j'appelle ça mon style, à moi. Si le jeune homme reste courtois, il ne mâche pas pour autant ses mots pour critiquer le look de Denis. Je trouve ça déplacé parce qu'il pourrait très bien se promener dans une teuf, parce que moi je teuf souvent, et je vois des gens comme ça, comme lui. Mais alors dans la rue, un lundi après-midi, effectivement, ça me paraît un peu déplacé. Ce genre de remarques pourrait mettre Denis mal à l'aise. Mais plutôt que de faire marche arrière, il ne se démonte pas, au contraire. Il se rend dans sa boutique préférée et se dirige directement vers le rayon femme. Bah, plus on me critique, plus je vais être encore plus trash, plus féminin et au contraire, ça va encore me pousser plus qu'autre chose. En effet, les robes toutes simples ne l'intéressent pas. Lui, ce qu'il veut, ce sont des vêtements sexy et originaux qui rendront sa silhouette encore plus féminine. C'est le serre-taille que je cherche depuis bientôt 3 ans. C'est un serre-taille comme ça exactement. Autant pour hommes que pour femmes, je pense, vu qu'il n'y a pas la place pour les seins, donc c'est parfait. Enfin, pas sûr que tous les hommes se verraient dans cette tenue. Mais l'essentiel, c'est que Denis soit heureux. Une mini-jupe et un corset, rien de tel pour qu'il se trouve très beau. Je m'aime bien d'habitude, mais là, je m'aime encore plus parce que c'est vraiment les vêtements que je veux. Et c'est ça et tout, tout ce qu'il faut, quoi. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Denis se sent bien dans sa peau d'homme et n'a pas de doute quant à son identité sexuelle. Il est hétéro et a toujours été attiré par les filles. Il est en couple avec Perrine depuis 5 mois. Elle vit à 800 km de là et il a prévu d'aller la voir prochainement. Mais moi aussi, je t'aime, mon amour. Je te fais des gros bisous. Je t'aime. Ciao. Ce séjour est censé lui faire oublier le conflit qu'il oppose à ses parents. Mais il n'est que de courte durée et dès son retour, la dure réalité ne va pas tarder à le rattraper. À l'Union, dans la région de Toulouse, il est midi et comme tous les jours, Marjorie, 20 ans, est encore au lit. Marjo ? Marjo ? Oh. Tu dors ? T'as vu l'heure qu'il est ? Oh. Tu devais pas aller au code, là ? Oh.
Marjo, tu devais pas aller au code aujourd'hui? Ouais, si. Et alors? J'y suis, là. Tu es au code, hein? Ouais. Ah ouais, vachement, ouais. Bon, ben, moi, je vais manger, parce que c'est l'heure de manger. J'arrive. Titulaire d'un bac professionnel de vente, Marjorie vit d'allocation chômage car elle n'exerce aucune activité depuis presque un an. Elle vit la nuit en complet décalage avec le rythme de Magali, sa mère, qui est ambulancière. T'es très très fatiguée, ma fille. Tu sais que j'ai commencé à 6h ce matin. Je crois que c'est là où je me suis couchée. Midi, c'est pas tard pour se réveiller. Oui, mais là, tu vois, c'est exceptionnel que je rentre à cette heure-ci, c'est rare. Donc, en fait, on fait que se croiser. Moi, je rentre, toi, tu te lèves. Et en fait, on fait plus rien ensemble. Ouais, j'aimerais bien aller en ville cet après-midi pour faire quelques achats. Et j'aimerais bien que tu viennes avec moi pour changer, justement. Ben oui. Ouais, mais il te faut 3 heures pour te préparer. Non, ça, c'est pas vrai, ça. Oh. Non. En effet, Marjorie passe des heures à soigner son apparence, car le look chez la jeune fille, c'est vital. Un style tout en excès qui lui vaut une certaine renommée. Je préfère être toujours maquillée, coiffée, etc. Parce que oui, effectivement, si on me croise, on voit mes photos et puis on me voit après complètement démaquillée, etc. Non, c'est pas possible. Les photos dont parle Marjorie, ce sont celles de ses blogs et pages internet. En moins d'un an, elle a réussi à créer ce qu'on appelle un buzz en postant plusieurs photos d'elle dans des tenues extravagantes. Elle est suivie par des milliers de jeunes sur le web et est même reconnue dans la rue. Son style appelé swag est un mélange d'accessoires bling bling et de vêtements streetwear. Un look lié au rap américain, sa passion. Le rêve de Marjorie est d'évoluer dans ce milieu et peu importe les moyens pour y arriver. La passion pour le hip-hop, ça m'est venu depuis que je suis toute petite en fait. Même quand j'étais, quand j'avais 7-8 ans, j'écoutais déjà du rap américain, j'étais passionnée par la danse, j'ai toujours aimé le basket, tout ce milieu un petit peu qui côtoie le hip-hop. Et donc ça m'est venu de là et puis j'ai continué et puis j'ai fait évoluer avec ma touche personnelle. Sa touche personnelle, ce sont ses accessoires. Une collection de bijoux tape à l'œil en tout genre. Mais ce dont elle est le plus fière, ce sont ses lunettes de soleil qu'elle customise elle-même. Marjorie veut être originale et tant pis si elle ne voit rien derrière ses lunettes. L'essentiel, c'est que les autres la voient. Et il y a une raison à cela. En fait, quand j'étais plus jeune, je passais inaperçue, j'étais comme tout le monde. J'étais peut-être un peu garçon manqué, mais je veux dire, on ne me voyait pas à part par ma taille. J'étais grande, mais je ne me différenciais pas. Et puis quand je suis arrivée au collège, j'ai eu envie de marquer de tout le monde, de complètement changer. Je suis devenue blonde platine et j'ai commencé à adopter un look un peu particulier. Et puis petit à petit, c'est venu cette idée de créer mes propres accessoires pour être encore plus différente. Dans le centre-ville de Toulouse, Marjorie, accompagnée de sa mère, attire tous les regards des passants. La situation enchante Marjorie, mais embarrasse quelque peu Magali. Ça te dérange pas quand même que les gens bloquent sur toi comme ça? Je sais pas, ça me fait sourire en fait, tu vois, moi ça me fait plaisir. Quand je traverse dans une rue comme ça, je préfère qu'on me remarque plutôt que de passer inaperçu. Tu marches comme ça et tu te perds au milieu de la foule. Moi, ça me gênerait beaucoup que les gens insistent comme ça, comme ils font là, qui te dévisagent de bas en haut. Si je te disais si tu portais mon style, moi, tu vois, est-ce que tu assumerais le regard comme ça? Je pense pas, non. Marjorie, elle, adore qu'on la regarde. Et quand un passant la prend en photo, elle ne s'en étonne même pas. Ça arrive souvent que les gens, ils passent dans la rue, ils demandent à faire une photo avec moi, à côté de moi, ou soit directement me prendre à moi toute seule, en fait. Comme une vraie célébrité, Marjorie suscite la curiosité et ne peut pas faire un pas sans qu'on l'interpelle. Et certains n'hésitent pas à engager la conversation pour exprimer leur admiration. C'est le top. Moi, j'espère que tu iras loin. Merci beaucoup. Avec aussi, surtout, et il faut bien se faire montrer, parce que dans ce monde... Il faut se différencier. C'est ça. Bonne journée. Ben voilà, ce genre de commentaires, tu vois, ça fait plaisir, ça te booste et puis voilà, t'as envie de continuer, tu vois, sur cette voie-là. Marjorie assume son look et son mode de vie excentrique. Elle n'a pas l'intention de mener une vie banale au grand désespoir de sa mère. Elle veut à tout prix la ramener à la réalité. Marjorie doit trouver un travail. Ça fait un petit moment que tu fais ça et je vois pas grand-chose qui aboutit pour le moment. Mais la jeune fille, elle, a prévu tout autre chose, une petite virée pour tenter de rencontrer une star.
Thionville, en Moselle. Ce matin, Sébastien doit prendre des forces, car le jeune homme de 36 ans, assistant commercial au Luxembourg, se prend pour Superman. Il se sent investi d'une mission, celle de sauver le monde. Et comme le super-héros, Sébastien a une double personnalité. Dans l'intimité de sa chambre, il est juste Clark Kent. Clark Kent, c'est celui qui déjeune en ce moment, hein, quelque part, hein, qui a une vie tout à fait normale, qui va au travail, qui revient, qui rentre le soir, qui se met devant la télé, des trucs simples, quelque part. Superman, ça va être vraiment le côté, pas opposé, mais plus évolué, donc le fêtard, la personne qui a l'air d'être bien en soi, qui fait plein de choses extraordinaires. Et comme c'est un super-héros, Sébastien n'hésite pas à enfiler le costume de Superman pour aller en ville. Quand je suis en Superman, aider les gens, je trouve ça fantastique, je trouve ça génial. Quand je sauve, entre guillemets, quelqu'un, je me sens déjà bien, ça c'est clair, de premier abord, je me sens utile. Et le remerciement, même ne serait-ce qu'un sourire, bah, je sens qu'il est pour moi, ce sourire-là. Je me dis, bah là, j'ai fait quelque chose de bien, j'ai fait une bonne action. N'importe quelle personne qui a besoin d'aide peut contacter Sébastien. Le super-héros laisse son numéro sur son blog, mais c'est surtout par le bouche-à-oreille qu'on se transmet ses coordonnées. Sébastien peut rendre tout type de service, qu'il soit petit ou grand. Oui, allô ? Ouais. Et ce matin, il reçoit justement l'appel de Julie, une jeune femme qu'il a sauvée d'une situation dangereuse et qui est de passage dans la région. Nom de Dieu, mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu t'es perdu dans le petit village de Thionville ? Ouais. Non, t'as comme chez moi. Ah bah oui, t'as raison, hein, c'est clair. Il y a 5 ans, Julie vivait à Thionville. À l'époque, la jeune femme traversait une période très difficile et devait faire face à de graves problèmes de couple. Sébastien l'a épaulée et l'a aidée à changer de vie. Oui, c'était mon Superman parce que j'ai eu une période où ça allait vraiment pas dans ma vie et il a toujours été là pour moi. Il m'a aidée à faire les démarches, à me calmer surtout, à me détendre, à relativiser certaines choses. Et puis maintenant, bah, grâce à lui, je suis partie et je refais ma vie et tout se passe bien. De nature timide et réservée, Sébastien parvient, comme Clark Kent lorsqu'il se transforme en Superman, à se transcender pour venir en aide à une personne en difficulté. Là, j'étais plus Clark Kent. Enfin, j'étais Clark Kent comme l'ami, quelque part, parce que bah, j'étais un ami à elle à la base, donc j'étais son Clark Kent, entre guillemets. Mais quand il a fallu faire quelque chose d'un peu plus super-héroïque, on va dire, entre guillemets, oui, il a fallu que vraiment je me disais de moi-même, allez, fais quelque chose. Même s'il éprouve du plaisir à revoir les amis qu'il a sauvés, Sébastien n'a pas le temps de bavarder. Il doit se rendre en ville pour s'assurer que tout va bien. Il sort de chez lui incognito et, comme Superman, se transforme dans les cabines téléphoniques. Une fois en tenue, plus rien ne peut arrêter le super-héros de Thionville. Bonjour, je vérifie que tout se passe bien, tout va bien pour vous ? Oui. Oui, nickel, pas de problème particulier ? Non, pas du tout. D'accord, pas de souci, appelez-moi au cas où, hein. N'hésitez pas. Ça va, c'est pas trop lourd ? Ah, ça, je crois que vous avez eu un petit peu de mal quand même, hein. Bonjour, tout se passe bien ? Je vérifie qu'il n'y a pas de problème à la patinoire, pas eu d'accident, pas de problème ? Ça va. Non ? Bon alors, tout se passe bien. Sébastien a pour ambition de répandre le bien et de sauver le monde. Mais aujourd'hui, il va devoir se contenter d'essayer de trouver des solutions aux problèmes plus terre-à-terre des commerçants du quartier. Vous n'arrivez pas à le mettre sur la porte ? Si, j'arrive à le mettre, mais pas comme hier. Bah écoutez, moi j'ai une idée, regardez. Regardez. Comme ça, vous voulez le mettre, c'est ça ? Sébastien se sent bien dans le costume du super-héros que tout le monde admire. Serait-ce une façon d'oublier son autre personnalité, le timide Clark Kent ? Ah bah Clark Kent, là, il sert plus à rien. On lui demande rien. C'est le Superman, on lui demande de sauver le monde toutes les 5 minutes. Oh, il y a une personne là, il y a le courant là. On l'a vu tout à l'heure, là. Clark Kent, il sert à rien. C'est le problème. Un problème, car Sébastien manque d'assurance. Il a connu une seule grande histoire d'amour, mais elle s'est terminée brutalement. Et depuis, il n'a plus jamais réussi à s'engager avec une femme. Pour autant, Sébastien n'est pas solitaire. Il aime recevoir ses proches. Ce soir, il prépare l'apéro pour sa sœur, son beau-frère et son meilleur ami. Et même s'il a ôté le costume, il garde toujours le t-shirt de Superman sous sa chemise, juste au cas où. Eh ben là, on les a eu nombreux. Bah ouais. Tranquillement, hein. On a croisé Lionel. Tu viens de Toulouse, là ? Ouais, je viens de Toulouse. Avoir un proche super-héros, ça a des avantages. Ses amis sont les premiers à profiter de la générosité et de l'altruisme de Sébastien. Première personne, si j'ai un problème quelque part, n'importe où je sois, n'importe quelle heure, c'est Sébastien que j'appelle, quoi. Il a toujours été là pour nous, pour n'importe qui, et il a jamais refusé. Il a jamais dit non. Je vais prendre les gâteaux, ça j'ai mis sur la table.
Fais comme chez toi. Mais Sabrina, la sœur de Sébastien, trouve qu'il est trop gentil. Elle essaie de protéger son frère aîné comme elle le peut. C'est vrai que j'ai un peu peur parfois que les gens se moquent de lui, qu'ils soient un peu ridiculisés. Certaines personnes pourraient dire oui, regarde celui-là, il est gamin, il a 36 ans, et donc il ne se met pas encore en couple, c'est pas normal. Ce que faire qu'on dise non, c'est un gamin dans sa tête, mais c'est drôle. Pour Sébastien, le personnage de Superman est un refuge, car derrière son costume se cache un grand timide. Sabrina, inquiète pour son frère, a décidé de le prendre en main. Elle veut lui faire oublier ses blessures et qu'il rencontre l'âme sœur. À la base, t'es quand même un mec normal. T'es un être humain, t'es pas un Superman. T'as quand même les qualités pour qu'une fille tombe amoureuse de toi, qu'elle te respecte, qu'elle... Pour lui redonner confiance en lui, elle va sauter sur une occasion et le mettre au défi. Marseille, dans le sud de la France. C'est ici que vit Sabrina, 31 ans, et mère de deux garçons de 3 et 6 ans. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Sabrina n'est pas en train de chercher une tenue pour se rendre à une soirée, mais juste ce qu'elle va porter pour aller récupérer ses enfants au centre de loisirs. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre cette robe. Ça peut ressembler à une robe de soirée ou peut-être de cocktail, mais pas pour moi, c'est ma robe de tous les jours. Alors, je pense que les gens ils vont encore se retourner dans la rue à me dire qu'est-ce qu'elle a été mettre celle-là aujourd'hui, mais c'est pas grave. Obsédée par son apparence, Sabrina passe énormément de temps dans la salle de bain. Aujourd'hui, elle a choisi de mettre une robe flashy. Il faut donc que le maquillage soit assorti à sa tenue. Ça ne me viendrait pas à l'idée de sortir sans maquillage ou sans être coiffée, ou même pour aller chercher le courrier ou descendre la poubelle ou chercher du pain. Je suis comme ça depuis toujours et je ne me reconnais pas du tout sans maquillage. Sans moi, c'est vraiment quand je dors éventuellement que je suis complètement naturelle. Personne ne me voit, même moi, je ne me vois pas. Dans un miroir, comme ça, moi, je suis tranquille. Cheveux blonds décolorés, faux seins bonnet F et maquillage excessif, Sabrina est une véritable bimbo qui assume parfaitement son côté superficiel. Pour moi, même si ma poitrine, par exemple, est fausse, même le maquillage, si c'est en plus, si la couleur de cheveux n'est pas celle d'origine, pour moi, c'est vraiment ce qui me correspond. C'est pour ça que ça complète moi, ma personnalité. Tout ça, c'est moi. Le look sexy et provoque de Sabrina pourrait passer inaperçu à Marseille, le pays du soleil et de la chaleur. Pourtant, il n'en est rien. Il suffit qu'elle fasse quelques pas sur le vieux port pour que tous les regards se braquent sur elle. Moi, j'assume complètement. Par contre, c'est vrai que c'est fatigant. Le regard des gens, c'est du coup un qui se retourne, une qui se retourne, l'autre pareil. Ça fait un effet de domino. Et je voudrais pouvoir me promener des fois tranquille. C'est un peu difficile. Sans compter que son look de bimbo peut rapidement la faire passer pour une fille facile. Les hommes n'hésitent pas à la dévisager et même à tenter leur chance. Beaucoup d'hommes vont m'accoster pour de mauvaises raisons, mais on va dire qu'un homme auquel je vais m'intéresser ne fera pas partie de ces gens-là, donc voilà. Du côté des femmes, elles aussi sont intriguées par ce look hors du commun. Certaines portent sur elles un regard dédaigneux, d'autres sont simplement surprises ou inquiètes. Franchement, quand je l'ai vue, ça m'a fait... un choc. Mais non, mais ça lui va super bien, très joli. Voilà. Non, mais attention à Marseille, ça craint. Faites attention quand même. Hein. Ah, c'est pas évident de sortir. Voilà, faites attention, madame. Hein. Merci. Bon, enfin, il n'y a rien à dire, vous avez bien raison. 17h30, c'est l'heure pour Sabrina de récupérer ses fils au centre de loisirs. Si Sabrina est différente en apparence, elle reste une maman comme les autres, très attentive au bien-être et à l'éveil de ses enfants. Ça a été Oui, très bien, maman. Caïs a été très, très, très contente de sa journée, hein. Enfin, plutôt de sa matinée. Super heureux d'avoir pu toucher un petit peu à la cuisine, hein, puisque... C'était ce matin, ça? Ouais, c'était ce matin. Hein. La directrice du centre a appris au fil du temps à connaître et à apprécier Sabrina, mais elle se souvient encore de sa réaction lors de sa première rencontre avec elle. La première fois, c'était il y a 2 ans. J'ai eu une petite... Oula. Mais je suis restée là, en fait. Je n'ai pas eu autre chose à penser. Même si elle peut paraître frivole, Sabrina prend son rôle de mère très au sérieux. Ses enfants sont sa priorité. D'autant que le papa est souvent en déplacement. De retour à la maison, elle prépare donc un bon goûter, mais toujours dans sa robe de soirée. Il y avait un jus d'orange. Et puis, une compote ou pas de compote? Oui. Mais vous venez à table, par contre. Shakil, l'aîné, a 6 ans et Caïs, le petit dernier, en a 3. Pour le moment, ils n'ont pas encore conscience que leur mère a un look atypique. Ça m'arrive de penser à plus tard de ce qu'ils vont penser ou peut-être le regard de leurs camarades ou ce qu'on va leur dire ou pas. Mais
Mais j'espère que ça se passera bien, qu'ils auront un fort caractère comme moi et qu'ils sauront se défendre et défendre leur maman. Car Sabrina le sait, l'excentricité se paie au quotidien. Même si aujourd'hui, elle a un travail d'agent de stérilisation dans une clinique et que ses amis l'acceptent comme elle est, il y a un vrai problème avec une personne de son entourage qui ne la comprend pas. C'est sa mère qu'elle voit deux fois par an. Sabrina a prévu d'aller chez elle à Paris. J'appréhende d'aller chez ma mère. J'ai décidé d'y aller dans quelques jours, mais je sais que ça va être encore tout le temps la même épreuve. Elle va un peu juger, un peu regarder. C'est vrai que j'en ai un petit peu assez d'avoir des rapports toujours de conflit avec elle. J'aimerais qu'elle accepte et qu'elle comprenne que c'est moi. Elle a un peu de mal quand même, malgré tout, à s'y faire. Car sa mère pense que si Sabrina s'habille ainsi, qu'elle est percée, tatouée et avec des seins refaits, c'est parce qu'elle a un problème psychologique. Elle part à Paris dans quelques jours et elle a un objectif, prouver enfin à sa mère que tout va bien dans sa tête. Pourquoi je me regarde comme ça? Comme ça parce que toi tu changes pas de look. Oh bah non. Mais le défi est de taille car sa mère lui fait la guerre depuis plus de 16 ans. C'est dans le TGV que nous retrouvons Denis, habillé en homme, par peur de se faire agresser. Il se rend à Lille, où il habitait avant de partir travailler dans un restaurant de Haute-Savoie. Denis revient régulièrement ici pour voir ses amis lillois et surtout sa petite amie Perrine, qu'il a rencontrée il y a 5 mois lors d'une soirée dans la région. Les amoureux ne se sont pas vus depuis plusieurs semaines. Pressé de se retrouver seul avec sa petite amie, Denis prend juste le temps de saluer Nadine, la maman, et se précipite dans la chambre pour montrer à Perrine sa nouvelle robe. Donc, la petite robe noire, elle est chambée. Avec le haut. Denis s'habille comme une femme, mais cela n'a pas été un obstacle dans leur relation. Bien au contraire. Son côté féminin, oui, m'a séduit parce que c'est plus mon style d'homme, aimer les hommes qui ressemblent à des femmes. Je préfère un homme qui est féminin, qui comprend ce que la femme peut ressentir. Perrine n'a que 17 ans, soit 7 ans de moins que Denis. Mais les deux tourtereaux vivent un amour fusionnel. La raison, ils ont les avantages d'une relation amoureuse, mais aussi la complicité de deux bonnes copines. Ben, c'est vrai que je peux partager plus de trucs parce que voilà. C'est une fille. Et donc forcément, je peux échanger des vêtements. Si ça lui plaît, si ça me plaît, hop, chacun prend. Ce soir, le couple a rendez-vous avec des amis. Ils ont enfin trouvé leur tenue pour sortir. Je mets quoi après? Je sais pas si tu pourrais me prêter un truc pour aller là. Bah, le corset là que j'avais sorti. Ouais, je vais l'essayer d'abord. Les amoureux ont quasiment le même look. Ils s'échangent des vêtements et même des petits conseils de maquillage. Le maquillage, tu fais comment? Le masque vert comme d'habitude? Non, je vais pas faire un masque, juste un fard à paupières vert simple. Et si Denis a l'habitude, il est encore parfois maladroit. Chérie, j'ai fait un pâté. Là, c'est trop beau. Je voudrais juste ça. La jeune fille est toujours heureuse d'aider son compagnon à se maquiller. Si certains peuvent trouver cette situation bizarre, Perrine, elle, semble s'en amuser. Si j'ai l'impression de sortir avec une fille, oui, quand même. Quand il me demande de me maquiller... Oui, j'ai cette impression. Je trouve ça mignon. Très contents du résultat, ils sont fiers de montrer leur look à la maman de Perrine. Tu as emprunté ça à Perrine? Oui, je lui ai emprunté. Ah, c'est... Vous passez les vêtements? Enfin. Voilà, ça y est. Ouais, elle m'a surtout bien aidée parce que j'ai galéré pour faire le début de mon maquillage. Et... Vous faites attention à vous parce que, comme on disait, le regard des autres n'est pas toujours évident. Tout le monde n'est pas sympa, hein, en général. Ouais, c'est sûr. Nadine est très ouverte d'esprit. Elle n'a jamais empêché sa fille de vivre son histoire d'amour avec Denis. À partir du moment où ils trouvent un équilibre, un bien-être et qu'ils s'entendent bien, une complicité, chose qu'il n'y a pas dans tous les couples, je trouve que c'est l'essentiel. Ils ont des points communs, ils s'entendent bien, ils s'épanouissent ensemble. S'ils font un bout de chemin ensemble, je trouve ça génial. À Lille, Denis est le plus heureux des hommes. Il est avec sa petite amie et sa belle-mère est ultra tolérante. Même s'il est venu spécialement pour Perrine, Denis profite de ce séjour pour revoir quelques amis qu'il a connus lorsqu'il vivait ici il y a 2 ans. C'est dans ce bar qu'il va les retrouver. Ce sont essentiellement des filles. Avec elles, il peut être totalement lui-même, c'est-à-dire un brin provocateur.
Je suis bonne ou pas? Bah oui. Ouais, franchement, ouais, bah, franchement, t'es moins vert que d'habitude. Moins extraterrestre. Non mais ouais, c'est bête. Regarde en dessous, regarde en dessous. C'est décollant. Ouais. C'est décollant. Ouais. Même si ses amis le taquinent, il a une place à part dans leur cœur, car Denis n'a rien d'un homme ordinaire. Pour moi, Denis, c'est une copine. Non, mais je sais pas. Enfin, avec Denis, on peut être tellement naturel comme une fille peut être naturelle avec une autre fille. Alors que les filles ont tendance à être un peu plus réservées avec des garçons. Ici, on ne le juge pas, on aime son tempérament excentrique. Ce soir, Denis est bien dans sa peau et se sent sûr de lui, mais cela ne va pas durer très longtemps. Quelques jours plus tard, Denis est rentré en Haute-Savoie, il est beaucoup moins confiant. Son séjour à Lille l'a chamboulé. Là-bas, tout le monde l'accepte tel qu'il est, même Nadine, la mère de Perrine. En fait, ce qui est bien avec la mère de Pays, c'est qu'elle est très tolérante vu que sa fille a le même style que moi. Enfin, elle m'a direct mis à l'aise et elle a tout de suite compris que c'était mon style. Si j'avais envie de m'habiller comme ça, c'est que je voulais m'afficher vraiment comme ça et pas autrement. Et ça, j'ai bien aimé vraiment. Mais ici, en Haute-Savoie, Denis souffre car il n'a pas la même relation avec ses parents. Tout est bien plus compliqué. Mon père qui veut toujours pas s'afficher avec moi dehors et ma mère qui croit que je suis encore gamin dans ma tête parce que je m'habille comme ça, mais pas forcément. Enfin, si seulement ils étaient plus compréhensifs, s'ils comprenaient vraiment que c'était mon style. Et j'aimerais bien que ça change avec mes parents, mais j'espère que ça va se faire au plus vite. Aujourd'hui, Denis est déterminé. Il veut pouvoir être lui-même sans que sa famille ne le juge. C'est décidé, il va passer à l'attaque auprès de ses parents pour tenter de leur faire accepter son excentricité. Il commencera par parler à sa mère, qu'il pense plus compréhensive, mais pas sûr qu'il ait fait le bon choix. Moi, j'aime pas trop que tu fasses ça, mais bon. J'aimerais que tu rentres dans le moule, et tu veux pas rentrer dans le moule, alors. Non, tu veux faire quoi, des spectacles, travestis Non. En tentant de crever l'abcès, ne prend-il pas le risque de s'éloigner davantage de sa famille? En Haute-Garonne, il est 13h et comme à son habitude, Marjorie vient à peine de se réveiller. Il faut dire que c'est la nuit que Marjorie est la plus active, elle passe ses soirées à surfer sur Internet. Et pas seulement pour le plaisir, non, Marjorie, elle, parle business avec les rappeurs qu'elle rêve de fréquenter. En fait, la nuit, ben, c'est l'heure où les Américains sont connectés, en fait. Je vis à l'heure américaine, comme ça je peux discuter avec eux. Parce que la journée, ils dorment, en fait. Puis la journée, en fait... Il n'y a pas grand-chose à faire sur l'ordi, personne n'est connecté, les gens sont au travail, en fait, chacun fait sa vie, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Pas grand-chose à faire, Marjorie en profite donc pour s'occuper de ce qui l'intéresse le plus, se la jouer starlette. Pour cela, rien de tel qu'une petite séance photo dans sa chambre. Des photos qui auront pour objectif d'améliorer ses pages internet. Marjorie ne laisse rien au hasard et teste différentes possibilités. Donc là, je suis en train de choisir les accessoires que je vais mettre pour les prochaines photos donc, que je vais faire avec mon ordinateur. En fait, j'essaie de faire des photos assez régulièrement donc, pour que ça change. Donc, dès que j'ai des nouveaux accessoires, des nouvelles lunettes, etc., je fais toujours une photo automatiquement et j'essaie de changer, de varier le thème pour que ce soit toujours différent. Une fois la tenue choisie, place à l'étape suivante, le maquillage. Concentré sur son reflet dans le miroir, c'est ainsi que Marjorie passe ses après-midi. Il est 16h30 et après plusieurs heures de préparation, Marjorie est enfin prête et peut commencer son shooting. Seule face à son ordinateur et avec un certain sérieux, elle prend la pause. Quand je fais des pauses, en fait, ça vient naturellement, c'est pas calculé. Là, sur le moment, en fait, j'improvise et tout ça, on m'a pas montré comment faire ou quoi que ce soit. Car Marjorie maîtrise tous les codes qui permettent de se faire connaître sur le web. Grâce à ce genre de séance photo, elle est parvenue à se faire un nom chez les jeunes qui partagent sa passion pour la mode hip-hop. Et certains cherchent même à la copier. Quand les gens ils reproduisent les mêmes photos ou qu'ils me demandent où c'est que j'achète tel ou tel vêtement, qu'ils veulent refaire à peu près les mêmes choses que moi, enfin moi ça me fait plaisir dans le sens où ça fait vraiment comme si j'étais vraiment une grande star et que ça, c'est ça en fait. Moi ça me fait grave plaisir en fait. Il est 18h30, c'est l'heure à laquelle sa maman Magali, ambulancière, rentre du travail. La jeune fille, elle, est restée toute la journée à la maison. Mais pour elle, elle n'a pas chômé. Toutes ses photos postées sur le net font avancer son projet, percé dans le milieu du rap. Marjorie n'est pas chanteuse, son rêve, faire de la figuration dans les clips grâce à son look et côtoyer les stars américaines. Tu fais des photos? Où ça? Ben là-haut, dans ma chambre. D'accord. Tu vois pas comment je suis habillée? Je me suis habillée, j'ai fait des photos avec mes nouvelles lunettes. Mais Magali ne partage pas l'enthousiasme de sa fille. Elle tente de raisonner Marjorie et essaie tant bien que mal de la ramener à la réalité.
Jusqu'à maintenant, ça t'a apporté quoi de faire toutes ces photos? C'est juste Internet, c'est pas la vraie vie. Mais non, mais maintenant, les temps ont changé. Donc maintenant, le virtuel, en fait, c'est comme ça que ça marche, en fait, pour se faire remarquer et tout ça. Oui, mais ça fait un petit moment que tu fais ça et je vois pas grand-chose qui aboutit pour le moment. Non, parce que pour toi, c'est pas grand-chose. Mais dans ce milieu-là, déjà, c'est un bon début. J'ai quand même eu des propositions, tu vois, que ce soit clip, que ce soit photo, que ce soit pour autre chose, en fait. Magali ne semble pas convaincue par ses arguments. Pour elle, Marjorie vit dans son monde et elle ne voit qu'une seule chose, sa fille vit d'indemnité chômage. Moi, ce que je préférerais, c'est que tu te lèves tous les matins, comme beaucoup de gens, la plupart des gens, et que tu ailles travailler, que tu rentres à la maison, et puis après, que tu fasses tes photos, voilà. Ouais, mais le fait d'avoir un métier comme ça, d'avoir une situation stable et tout ça, ça prend du temps, et puis moi, ça m'empêcherait de faire ça, d'être complètement dans ce que je fais. Non, moi, je suis pas d'accord. Parce que c'est un investissement, tu vois, il faut ça prend du temps, ça prend de... Tu peux pas improviser des choses. Les gens qui ont réussi dans ça, ils faisaient pas deux choses à la fois. Tu t'es à fond dans ce que tu fais. Magali est désemparée face à l'attitude de sa fille. Elle ne sait plus quoi faire pour que Marjorie reprenne une vie normale. Quand elle me parle comme ça, ça m'angoisse. J'ai peur pour l'avenir, pour elle. J'ai peur qu'elle aboutisse pas à ses projets. J'ai toujours l'impression qu'elle vit sur son nuage. Oui. Et j'aimerais bien des fois qu'elle en redescende. Mais le soir venu, Marjorie a vite oublié les reproches de sa mère. Elle a appris qu'une star américaine qu'elle admire serait présente lors d'une soirée hip-hop. La fête a lieu à Paris, mais qu'importe, Marjorie n'hésite pas une seconde et prépare ses plus belles parures pour tenter d'aller la rencontrer et se faire repérer. Je vais à Paris juste pour la soirée, un aller-retour. Et comme ça, en même temps, je vois quelques amis, je sors et puis après je rentre chez moi à Toulouse. Marjorie mise beaucoup sur cette soirée. Elle espère, grâce à son look, faire la différence et que la star n'ait Dieu que pour elle. Elle n'a qu'un seul but, établir des connexions dans ce milieu qui la fascine tant. Quand j'essaie de rentrer en contact avec eux, j'essaie de créer un certain lien, en fait, pas forcément d'amitié, mais au moins pour retravailler ensemble, peut-être me proposer une figuration pour un clip, après peut-être pour mes lunettes, pour des accessoires, pour quelque chose, en fait, quelque chose de professionnel. Marjorie quitte Toulouse pour la capitale avec des rêves plein la tête. Mais la belle a-t-elle raison de croire en son étoile? Ça arrive très très souvent que les gens ils interpellent, ils se demandent si on est chanteuse, actrice. Son look attire les passants, mais est-il suffisamment original pour lui permettre d'approcher et de séduire la star américaine présente à la soirée? Une star qui pourrait lui ouvrir les portes du succès. Plus à l'est, à Thionville en Moselle, ce n'est pas en costume mais plutôt en caleçon bleu et en t-shirt rouge que nous retrouvons Sébastien. Notre Superman de 36 ans s'imprègne de son super-héros dès qu'il le peut en regardant le film qu'il adore. C'est un peu comme s'il allait à la messe. On sait très bien qu'il n'existe pas, mais c'est toujours plaisant d'y croire. Il faut garder la foi en quelque chose. Hein. Là on le voit bien, il y a Superman au-dessus de la Terre qui regarde les gens, il est tout seul. Il est seul par rapport à tout le monde. Il regarde, il écoute un peu ce qui se passe sur Terre, il va voir s'il y a des choses à faire. Et tout à coup, hop, il y a quelque chose. Voilà, le réveil, il sent quelque chose à faire. Et il fonce. Il va sauver quelqu'un qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vu, mais il va le sauver, gentiment, gratuitement, sans demander en retour. Qui fait ça aujourd'hui? Personne. Je me souviens des fois, j'ai aidé une fille au travail à porter des colis de 20 kilos. Elle était en train de galérer et personne ne l'aidait. Et quand j'ai porté le colis, il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?»« Bah, je t'aide. » Ben pourquoi? Ben comment ça, pourquoi? C'est dingue, quoi. Les gens osent se poser la question, pourquoi j'aide une fille? On est où là? On est où? J'ai peur quand je vois ça. On peut être tous un super-héros quelque part, hein, entre guillemets, dans nos actions de tous les jours. Ce film sorti en 2006 a changé Sébastien. À l'époque, pour un pari, il commande puis enfile le costume de super-héros. Et pour la première fois de sa vie, il se sent moins timide. Il décide alors d'incarner ce personnage dès qu'il le peut, d'autant qu'il pense avoir décelé dans la fiction un message caché. Je pense que le message du film, c'était un peu essayer de vous entraider, vous n'avez pas de super-pouvoir, c'est vrai, mais essayez un peu de vous entraider quand il y a un problème, d'être proches les uns des autres. Les aventures de Superman représentent une véritable religion pour Sébastien. Pour lui, un super-héros doit aider les autres et distribuer du bonheur. Pour ça, il organise des soirées où il convie ses connaissances, mais aussi tous ceux qui passent sur son blog. Et pour faire rêver ses invités, il a créé un univers rempli de gadgets. Donc ici, on est dans le point un peu stratégique de l'appartement. C'est ici que je contrôle toutes les pièces en fait, de l'appartement, du couloir jusqu'à la pièce là. Donc quand vous arrivez, dans le couloir que vous avez vu tout à l'heure, il y a plusieurs ambiances. Je peux passer en mode d'urgence, par exemple.
Je peux aussi passer en état de soirée. Donc je peux contrôler des stroboscopes, des spots à facettes. Après, si ça se passe mieux, passer en mode de soirée carrément, donc passer en mode disco. Voilà, donc ça allume toutes les boules, les couleurs, enfin toutes les choses de l'appartement qui bougent un petit peu. Après, on peut rajouter des effets lumineux en plus, soit des lasers, soit des choses directement autour. Donc ça donne un effet super coloré. C'est sûr, ça donne une ambiance, hein. J'aime bien. Sébastien vit dans son monde. Contre toute attente, il est célibataire. Chose curieuse, car selon lui, s'il a construit ce décor surréaliste, c'est avant tout pour faire des rencontres en tout genre. Moi, j'aime bien rencontrer du monde. Donc, si quelqu'un me dit « Tiens, ça dirait qu'on se voit » ou « Tiens, j'ai envie de passer chez toi », il n'y a aucun problème. Justement, Sébastien a prévu d'organiser une soirée dans les prochains jours. Pour faire venir du monde, il envisage une grande distribution de flyers en ville. Et cet après-midi, il a rendez-vous avec sa sœur pour savoir ce qu'elle en pense. Ça te fait pas un peu peur, c'est d'aller vers les gens comme ça, de dire « Tenez, un flyer !» Non, des fois, ça fait flipper. Je le ferai pas sans le costume, tu sais bien. Ouais. Je suis quand même timide à la base, hein, mais... Bon, bah, il faut que le costume me protège un petit peu. Ça, c'est le costume de super-héros, hein. En fait, Sébastien se cache derrière son costume de Superman pour vaincre sa timidité maladive. Mais pour Sabrina, il y a un autre problème. Elle s'inquiète car elle pense que l'excentricité de son frère l'empêche de s'engager dans une relation amoureuse. À la base, t'es quand même un mec normal. T'es un être humain, t'es pas un Superman. T'as quand même les qualités pour qu'une fille soit tombe amoureuse de toi, qu'elle te respecte, qu'elle... Tu peux vivre quelque chose de bien avec quelqu'un de sérieux, pas que quelqu'un qui te prenne comme un peu comme un... Ouais, c'est... Je vais pas dire deux mots. Je me demande si les filles s'intéressent à des gars normaux, des fois, de... les copains. Oui. Est-ce que c'est pas l'exception qui fait le garçon, j'en sais rien. Sabrina sait que son frère souffre secrètement et elle compte bien profiter de la soirée pour qu'il fasse enfin la rencontre de sa vie. T'es prêt alors? Prochaine soirée, tu me trouves une fille? Tu dragues, tu fais le mec bien Superman, bien joué de l'avant? Eh ben je sais pas, écoute, je préfère imaginer le pire, comme ça si le meilleur arrive, je suis pas déçu, tu vois. Ben voilà, ben, je te promets rien. De toute façon, les râteaux, tout le monde s'en prend, hein. Ouais, non mais moi je suis un champion. C'est dans les joies de la vie, hein. Moi je suis un champion des râteaux. Sébastien est un cœur fragile, mais aussi un cœur à prendre. Quoi qu'il en soit, avant de tomber amoureux, encore faut-il convaincre des filles de participer à la soirée chez Superman. Je savais que ça... Non, mais je voyais comme ça que t'aimais les gars musclés, baraqués, et là, c'est... L'une d'entre elles saura-t-elle voir le garçon au grand cœur qui se cache derrière les muscles, en mousse? À Marseille, nous retrouvons Sabrina. Cette maman assume pleinement son allure de bimbo, mais revendique une particularité, ses tatouages. Elle en possède sur toutes les parties de son corps, et chacun d'entre eux raconte une histoire. Car derrière cette excentricité se cache une femme sensible. Je pense que les tatouages, ça reflète la personnalité, et c'est une façon d'inscrire aussi sur soi des passages de sa vie, sûrement, comme le nom de ses enfants. Celui-là, c'est celui auquel je tiens vraiment beaucoup, le plus, je dirais. Donc, je l'ai fait en hommage à mon père et c'est une manière de l'emmener partout avec moi, quoi qu'il arrive. Car son père est décédé il y a 2 ans. Sabrina a commencé les tatouages à l'âge de 16 ans et ne s'est plus arrêtée depuis. Elle a poussé sa passion à l'extrême jusqu'à en exhiber aujourd'hui 18. 18 tatouages, il y a des gens qui vont dire « ça fait beaucoup, c'est quand que tu vas t'arrêter ?» Non, je crois que c'est vraiment une passion et non, je ne suis pas prête de m'arrêter. Je réfléchis déjà à la suite. Sabrina est fière de son style, mais sa mère déteste son look. Les critiques ont commencé dès le premier tatouage et la situation s'est aggravée au fil des ans. Aujourd'hui, mère et fille n'arrivent plus à communiquer. Yolande est persuadée que les tatouages de Sabrina camouflent un mal-être. J'ai déjà essayé d'expliquer à ma mère que c'était comme ça, que c'était moi et qu'il n'y avait pas de soucis. Mais ma mère se base beaucoup par rapport au regard des gens et peur que je me fasse agresser dans la rue. Je l'ai même vu pleurer aussi à l'occasion d'un tatouage supplémentaire ou de vêtements vraiment qu'elle voulait pas que je mette et que je mettais quand même, j'insistais. Mais malheureusement, j'arrive pas à changer pour autant. Sabrina doit prochainement se rendre à Paris. Elle séjournera chez sa maman qui a 61 ans. Comme toujours, elle redoute le moment où elle franchira le pas de la porte. Ça va être comme d'habitude, hein, être détaillée de la tête aux pieds. Et comme j'ai pris rendez-vous avec ma copine pour finir un de mes tatouages, je pense que ça va pas trop lui plaire. Je vais essayer de lui faire comprendre et pour une fois, je me sens motivée pour essayer de la faire entrer dans ce monde. Quelques jours plus tard, Sabrina est en banlieue parisienne. Elle espère que ce séjour lui permettra de se rapprocher de sa maman et surtout qu'elle pourra enfin lui faire comprendre que derrière son look, il n'y a pas forcément un problème. Salut!
Sabrina le sait, elle va devoir affronter le regard inquisiteur de sa mère. Pourquoi je me regarde comme ça? Comme ça parce que je vois que tu changes pas de look. Oh bah non. Et t'as fait des nouveaux dessins? Bon, hein, j'avais oublié de te le dire, mais... Oui, bah à chaque fois qu'on se voit, on se voit très peu, mais dès que on se voit, tu fais des nouveaux dessins. C'est une maladie, je t'ai dit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah mais... On peut s'en faire un, à la rigueur, mais pas tout le corps. Pour Yolande, Sabrina a passé l'âge d'avoir un style si excentrique. Un style qui, selon elle, n'est pas du tout adapté à celui d'une jeune maman. Oui, mais sa mère de famille avec deux enfants, après on fait attention un petit peu. Bah, je fais attention. Parce que les enfants, s'ils voient des tatouages, qu'est-ce qu'ils font? Déjà, ils se gribouillent les cuisses pour faire comme maman. Avec les feutres, les tatouages. Mais Sabrina est déterminée. Elle veut absolument que sa mère change d'avis. Plutôt que de se braquer face aux reproches, elle va lui faire une proposition osée. Donc là, tu vas pas venir avec moi au salon de tatouage pour... Non. Pour voir comment ça se passe. Comme ça, on t'explique un peu. Assister à des tatouages et... passer devant la boutique, mais rentrer, voir... te mutiler, ça m'intéresse pour... Le mot est lâché. Pour Yolande, le tatouage n'est rien d'autre qu'une mutilation. Mais Sabrina se défend. T'aimes pas, mais je comprends pas pourquoi, parce que tu connais pas, je sais pas, il y a tellement de gens qui en font maintenant, les jeunes, ça commence de plus en plus jeune. Mais Yolande ne veut vraiment rien entendre. J'aimerais bien que ça c'est, qu'elle en fasse plus, quoi. Je veux dire, qu'elle arrête de se faire des tatouages, j'en vois pas l'utilité. Ce style-là, j'ai du mal à l'aborder et j'ai du mal à le comprendre. Car en plus des tatouages, Yolande trouve que le look de Sabrina est bien trop sexy et provoquant pour une maman. Je vois que je lui fais un peu de peine et que je préférerais avoir une fille qui s'habille plus classique et qui fasse plus d'efforts vestimentaires selon elle, mais je vois pas pourquoi je changerais. Ce sera donc à Yolande de s'adapter. Demain, Sabrina a rendez-vous dans un salon de tatouage. Elle voulait que sa mère l'accompagne pour qu'elle comprenne et accepte enfin son univers. Pour l'instant, Yolande refuse, mais Sabrina ne baisse pas les bras. La nuit porte conseil. Yolande aura-t-elle changé d'avis ? Dans un instant, Denis, qui s'est mis dans la tête de faire accepter son look féminin à ses parents, va avoir une discussion musclée avec sa mère. Arrivera-t-il à se faire comprendre? Toi, t'es dans le monde de la vie, tu dois gagner ta croûte, tu vas plus vers le vieux que vers le jeune. Tu comprends ce que je veux dire? T'as pas 17 ni 18, tu vas sur tes 25 ans. Marjorie, quant à elle, va tenter de se faire repérer par une star du rap américain. Parviendra-t-elle seulement à l'approcher? À Genève, en Suisse, nous retrouvons Denis, le jeune homme qui s'habille en femme. Cet après-midi, il a rendez-vous avec sa mère, Denise, qui vit ici. Les parents de Denis sont séparés depuis de nombreuses années. Même s'il a vécu avec son père, il est resté très proche de sa maman. Ça va, petite maman? Pas trop froid comme ça? Ça va, si, un petit peu. Froid, ouais. Bon, c'est pas trop grave. Contrairement au papa, la maman de Denis fait l'effort de se promener avec lui quand il s'habille en fille. Malgré tout, elle aimerait qu'il arrête de se faire remarquer. Et à peine installée au café, elle ne peut s'empêcher de lui faire des reproches. Franchement, t'aimes bien te balader comme ça? Mais il y a quand même, je sais pas, un point positif, je sais pas. Mais le maquillage, j'aime pas. Tu dis que c'était joli tout à l'heure. Oui, mais il est joli. Il est pas sur moi. Pas sur toi. Ben oui, tu veux savoir, je te dis. Mais pas de problème. Bah, je sais bien qu'il n'y a pas de problème, de toute façon, il n'y a jamais de problème avec toi. Moi, j'aime pas trop que tu fasses ça, mais bon. J'aimerais que tu rentres dans le moule, et ouais. Tu veux pas rentrer dans le moule, alors. Non, tu veux faire quoi, des spectacles, travestis Non, pas du tout, je déteste les travestis, je les trouve... Parce que là, c'est travesti, quand même. Denise est inquiète de l'image que renvoie son fils. Pour elle, il est sur une mauvaise voie. Elle espérait que son excentricité ne soit qu'un caprice de jeunesse. Bah, je trouve qu'il est un peu vieux pour faire ça. Moi, je pensais franchement que ça allait passer. Au début, non, Jacques, c'était pas de sortir quand il était habillé comme ça. Ce look-là, j'en voulais pas. Quand il me disait, maman, il m'appelait au téléphone, on peut se voir, on va faire un tour, on va manger au resto. Tout de suite, je lui disais, oui, mais tu t'habilles pas comme tu t'habilles en fille, je veux pas. Il venait, on se voyait, mais je voyais qu'il était triste, qu'il était malheureux. Mais bon, c'est quand même mon fils, et puis j'accepte. Parce que c'est mon fils. Conscient des efforts que sa mère fait pour lui, Denis cherche à la rassurer sur son mode de vie. Il avance un argument qui, pense-t-il, la fera changer d'avis. Il a une petite amie. Je dis, j'ai pas une vie pas très normale, mais voilà, moi je suis avec Paye. Pour l'instant, ça se passe bien. Elle a quel âge, la fille? 17. Voilà, t'as quel âge, toi? 24. Voilà. Ça veut rien dire. C'est pas la question, c'est qu'elle, elle est jeune, elle est encore étudiante et tout. Toi, t'es dans le monde de la vie, ouais, tu sais. Dois gagner ta croûte, tu vas plus vers le vieux que vers le jeune.
Tu comprends ce que je veux dire? Oui. T'as pas 17 ni 18. Je sais. Tu vas sur tes 25 ans. Denise cherche à faire comprendre à son fils qu'il doit mûrir un peu. Pour elle, il perd son temps. Et même si elle l'accepte tel qu'il est, elle est persuadée que son look est un handicap et que tout cela pourrait bien gâcher sa vie. J'essaye de le tirer plus vers la normalité que vers l'excentricité. Voilà, c'est mon rôle. Mais bon, je le persécute pas non plus. Denis, il est un petit peu gamin dans sa tête. Il est dans sa bulle, il est dans son monde. Il se rend pas compte. Ces mots ne sont pas faciles à entendre pour Denis, mais ça n'entache pas la complicité qu'il a avec sa mère. Une complicité qui lui manque dans la relation qu'il entretient avec son père. Gros bisous. Gros bisous, mon cœur. On s'appelle, hein? Ok, ouais. Gros bisous, je t'aime. Je t'aime très fort, hein. Fais attention à toi aussi. Oui, ciao. C'est complètement différent avec mon père. Lui, il accepte à la maison, mais il n'accepte pas de sortir avec moi comme ça. J'aime autant les deux, l'un que l'autre, je les aime autant. Mais c'est vrai qu'avec ma mère, je suis beaucoup plus proche, on fait beaucoup plus de trucs ensemble et tout, on se voit plus souvent et... Denis souffre de ne pas pouvoir partager des choses avec son père à cause de son look. Espérant faire évoluer cette situation, dès le lendemain, le jeune homme va rendre visite à Marjorie, la compagne de son père, pour solliciter son aide. Salut. Salut. Alors c'est ça en début d'après-midi là, attends. Ouais. Désolé. Ouais, désolé, comme d'hab, toujours désolé. Ouais. Hein? Tu reviens? Denis s'entend bien avec sa belle-mère. Avec elle, il peut parler librement de son style vestimentaire. Ça qui est bien avec toi, c'est que j'ai l'impression que tu comprends plus par rapport à mon style, par rapport à papa qui est pas très compréhensif, quoi. Enfin, c'est compliqué, en fait, il comprend en quelque sorte, mais pas trop, quoi. Qu'il soit pas trop compréhensif, c'est qu'il a surtout peur que tu te fasses un peu agresser, au fait, comme... Parfois, ça arrive dans le journal, tu lis... Ouais. C'est sûr, genre, l'autre fois, on a lu un travesti qui s'est fait agresser par une bande. Denis comprend les craintes de son père, mais pour l'heure, il a une idée en tête qu'il va dévoiler à Marjorie. Je voudrais bien, en fait, c'est partager avec papa le fait de sortir comme ça, tu vois, habillé. Déjà, faudrait lui proposer. Ouais, faudrait lui proposer. Tu lui as jamais posé vraiment la question... si toi, tu lui demandes pas de sortir avec toi comme ça, enfin d'aller dehors ou... Elle se promenait, je sais pas faire quoi. Après, c'est pas ton père qui va dire ah ben, j'ai partagé un moment où t'es habillée comme ça, en fait. Ouais. Marjorie a souvent pris le rôle du médiateur dans la famille. Denis espère donc pouvoir compter sur son soutien. Ça serait cool que tu lui en parles, que tu lui demandes un peu tranquille. Je le prépare un peu. Voilà, ouais. Ouais, tu prépares papa. Je mettrai une tenue en conséquence et puis je mettrai un truc soft, quoi. Comme ça, ça passera encore mieux. Enfin, j'espère. Comme d'habitude, j'en parlerai. Les mots encourageants de Marjorie ont réconforté Denis. Ils se sont en confiance et dans la semaine, il va proposer à son père de sortir avec lui. Comme ça. J'arrive là, je débarque, on arrive à Annecy, je débarque comme ça. Ça te dérangera pas du tout. Et surtout, son père fera-t-il l'effort pour la première fois de s'afficher publiquement avec son fils, quitte à affronter le regard des autres. Pendant ce temps à Paris, Marjorie, la Toulousaine, au style de rappeuse américaine, est plus motivée que jamais. Elle a fait des kilomètres et a puisé dans ses économies pour se payer cette chambre d'hôtel, juste pour assister à une soirée. Alors ce soir, en fait, c'est une soirée hip-hop avec un artiste américain, mais quand même assez classe, donc je réfléchis à trouver la bonne tenue. La seule chose dont Marjorie soit sûre, c'est qu'elle portera sa panoplie de bijoux bling-bling et évidemment ses incontournables lunettes de soleil. Même si je m'habille quand même avec une robe d'une façon assez simple, les accessoires, ça habille en fait, ça fait la différence. Les lunettes de suite aussi, ça se remarque. Quoi qu'il arrive, c'est toujours différent. Il faut que je me fasse remarquer. Ma chérie, rentre. Ça va et toi? Ouais. Je t'ai fait une trace rouge à lèvres. Alexis, la meilleure amie de Marjorie, vit dans la capitale. C'est sa partenaire de sortie. Marjorie peut compter sur ses conseils pour choisir la tenue qui la mettra en valeur et qui sera la plus originale. Ouais, mais oublie la robe alors. C'est mieux. Tu penses pour ça avec un petit haut? Ouais, un petit haut avec les talons, les lunettes. Talons à strass, pantalon bleu électrique et lunettes customisées par ses soins, Marjorie ne risque pas de passer inaperçue ce soir. C'est bien? Ouais. Tu restes comme ça? Oui. Nickel. Allez. Dernière retouche maquillage devant le miroir. Ce soir, Marjorie et son amie mettent le paquet. Elles sont certaines d'attirer l'attention de Red Café, un rappeur américain.
Et c'est sur la plus belle avenue du monde que nous retrouvons notre duo de choc. Prête à conquérir le monde, Marjorie fait la star et ne laisse pas les Parisiens indifférents. Ça arrive très très souvent que les gens ils interpellent, ils se demandent si on est chanteuse, actrice, des choses comme ça, dès qu'on traverse des grandes allées comme ça, tout le temps pareil. Ouais, surtout avec toi quoi, en fait. Surpris par l'allure de Marjorie, des passants n'hésitent pas à la solliciter pour prendre une photo avec elle. Comme une véritable célébrité, Marjorie se prête au jeu avec un plaisir non dissimulé. En fait, ça fait vraiment star parce que du coup, les gens, ils sont là, ils viennent à côté pour faire une photo. Moi, ça me plaît en fait. J'aime bien faire ça. Bonsoir. À l'intérieur de la boîte, la fête bat son plein. Marjorie ne perd pas une minute et se met tout de suite dans l'ambiance. Mais elle n'oublie pas pour autant son objectif, entrer en contact avec l'artiste américain. Sans complexe, elle parvient à s'approcher de la star dans le carré VIP et entame une discussion avec un membre de son équipe. Et le culot de Marjorie semble fonctionner. Le feeling a l'air de passer, le jeune homme paraît séduit par sa personnalité et son allure originale. Fin de soirée et mission réussie pour Marjorie. Pour elle, c'est sûr, le chanteur de rap va lui offrir une opportunité professionnelle. Bah, j'ai rencontré l'artiste comme d'habitude, mais là le contact il est super bien passé en fait. On s'est bien entendu, on a bien parlé et il m'a présenté son réalisateur. Donc il a bien aimé mon style, il a essayé mes lunettes et puis on a pas mal parlé. Et puis il m'a dit qu'il me voulait dans son prochain clip, donc de l'artiste et puis même dans ce prochain clip parce qu'il tourne un petit peu partout, aux États-Unis, en France, etc. Quand je rentre en contact avec eux, c'est vraiment business parce que j'ai pas forcément envie d'être juste une amie. Je veux que ça donne sur des projets des choses concrètes, pas seulement discuter pour discuter. Marjorie croit en son destin et quitte la soirée le cœur léger en pensant à ses futurs pas dans le hip-hop américain. La fête est finie et c'est chez elle, dans la région de Toulouse, que nous la retrouvons. Ce séjour express dans la capitale l'a renforcée dans son obstination à vouloir se faire connaître à tout prix dans le milieu du rap. Elle est donc fière de pouvoir raconter son expérience parisienne à sa mère. On est sortis, on est allés dans une boîte sur les Champs, en fait. Et il y avait un rappeur américain. Et donc, bah, comme d'habitude, j'ai réussi à lui parler, à parler à son réalisateur. Et puis il m'a dit, écoute, ben, si tu fais de la figuration, ben, moi je te prends dans le prochain clip qui sera soit à Miami, soit à New York. Oui, mais ça, le fait de dire ça, il peut le dire à n'importe qui. Hein. Non, mais non, parce que moi, ce qui lui a plu, c'est le c'est ça, ce qu'ils aiment bien, c'est ça aussi, le fait que j'avais mes lunettes. Je te dis, ben, mon style, en fait, comment j'étais, mes chaussures, j'avais sorti mes jolies chaussures, etc. Magali n'est pas aussi enthousiaste, elle veut simplement qu'elle travaille. Alors, elle tente une nouvelle approche. Si son style excentrique séduit les stars, pourquoi ne tenterait-elle pas de vendre les accessoires qu'elle customise ? Mais du coup, tu pourrais en profiter, vu que tu as commencé à parler de tes lunettes à Paris, le faire sur Toulouse. Hein. Ben après, oui, les lunettes, c'est vrai qu'à chaque fois, ça a toujours plus ou moins du succès. Donc ouais, je pourrais essayer d'aller voir les boutiques, voir ce qu'ils en pensent éventuellement, ouais, c'est sûr. Pour une fois, Magali a su trouver les mots pour motiver sa fille. Il semblerait que cette discussion ait créé un véritable déclic chez Marjorie. En fait, quand je discute avec ma mère, ça me fait réfléchir donc, par rapport à tout ça. Et puis, donc, ça me fait me dire que je dois développer ça pour que ça se concrétise, en fait. Que je dois continuer à développer mon projet pour faire quelque chose de bien. Grâce à sa mère, Marjorie a réalisé que pour vivre de sa passion du rap américain, elle devait commencer par des choses concrètes qui ramènent de l'argent. Mais ce n'est pas si simple. Marjorie doit d'abord essayer de se lever plus tôt et surtout, elle va tenter de convaincre des commerçants de vendre ses lunettes. Ces modèles seront-ils assez originaux pour séduire les professionnels de la vente ? En Moselle, Sébastien est toujours dans son rôle, celui de Superman du quotidien. 55 place Saint-Louis à Metz. Là, tu devrais trouver facilement si tu le cherches. Lui qui rêve de sauver le monde et d'aider n'importe quel inconnu doit se contenter aujourd'hui de renseigner une amie par téléphone sans avoir besoin d'enfiler sa cape. Bah là, c'est une amie à moi qui m'appelait parce qu'elle était perdue à Metz. Elle cherchait un magasin, elle voulait l'adresse en fait. Et ça arrive de temps en temps, effectivement. Je suis pas le 218 non plus, hein, mais si je peux aider, bah là, je cherchais vite fait l'adresse du magasin, du coup, bah, c'est là, c'est bien, quoi.
Et heureusement que cette urgence ne nécessitait pas un déplacement, car aujourd'hui le héros a de grands projets. Avec sa sœur, il distribue des flyers en ville pour la fête qu'il organise ce soir. La timidité de Sébastien reste cachée sous sa cape. Sûr de lui, il n'hésite pas à aller vers les gens. C'est amusant, surtout ce qui me fait super plaisir, c'est de voir les gens sourire quelque part. Quand on arrive, ils sourient, ils sont contents, c'est rigolo, je trouve. Ils ont un peu de bonheur dans notre vie morne tous les jours, c'est sympa. Le costume est comme une carapace pour Sébastien. Il se fiche des moqueries et surtout, il a le pouvoir d'aborder les filles. Je savais que ça... Non, mais je voyais comme ça que t'aimais les gars musclés, baraqués, et là, c'est... Je suis désolé, c'est pas le cas. Mais bon, allez, je vais pas t'embêter plus longtemps. À bientôt. Bonne journée. Avec sa cape, Sébastien le dragueur a-t-il été convaincant? C'est un peu ridicule de se balader dans Thionville comme ça. Je me ferais draguer par un homme déguisé en Superman, ça ferait un peu quand même bizarre. Et j'avoue que je serais donc pas non plus attirée forcément par ce genre-là, quoi. Mais avec une telle prestation, Sabrina, elle, imagine déjà que l'affaire est dans le sac. Elle était mignonne comme toi. C'est pas censé à moi de dire ça. Ah bah écoute, je sais qu'elle était mignonne, que voilà... Je suis une fille, j'ai pu faire connaître une jolie fille aussi. C'est le mec qui dit ça en général, non? Tu l'as pensé, non? Peut-être, peut-être. Bonjour. Sabrina n'aura jamais une occasion pour savoir ce que Sébastien pense des filles. Et surtout, elle compte beaucoup sur la soirée qui approche. J'espère vraiment que la soirée va se passer, qu'il n'y aura pas de problème, que tous ses amis vont venir, qu'ils seront là présents pour le soutenir. Ça sera intéressant de voir qu'il arrive à aller vers une fille, à essayer d'engager la conversation, peut-être d'aller plus loin, devenir ami. Ce serait bien qu'il soit plus célibataire. Plus que quelques minutes avant l'arrivée des invités et Sébastien commence à stresser. Tac, tac, tac. Ok, là, on peut mettre en place, on peut déjà préparer le reste. Il doit terminer l'installation et se mettre en costume. Ah là, là. Heureusement, du renfort arrive. Allez, passe la planche, là. Salut. Amine. Ça va et toi? Oh, bah t'as ramené ce qu'il fallait, tranquille. Bah ouais. Bah ouais. Ça paraît tout petit, là, regarde. On va installer tout ça, hein, préparer donc tout un petit peu ici. Ici, on prépare, là-bas, on installe, d'accord? D'accord, ok. Qui c'est qui s'occupe de ma secrétaire dans la soirée? Pour le portable, s'il sonne. Tu prends toi? Si j'en sonne, tu leur dis où c'est, ce qu'il faut faire, etc. Hein, et tu leur dis où ça se passe. Evie, service? Ouais, service. Service, les boissons qui te demandent. Maintenance, s'il y a des problèmes, des trucs qui tombent, des machins comme ça, à remettre en place, tu remets en place, ok? Discrètement, tranquillement, passe pile. Ok, zen. Ça roule. Cette fête est très importante pour Super Sébastien, car en plus d'organiser sa soirée, il doit relever le défi lancé par sa sœur, séduire une fille. Le problème, c'est que dans la soirée, moi, j'ai pas 10 secondes à moi. Entre les visites, les gens, les machins qui parlent et tout, si je suis pas appuyé par des gens qui m'aident un petit peu, je m'en sors pas. Tout doit donc être parfait. Son amie Evie et sa sœur Sabrina doivent obéir au doigt et à l'œil. C'est normal qu'il donne un peu des ordres. En même temps, il faut que ce soit nickel et tout, je comprends. Et un petit peu stressé, je trouve. Mais bon, voilà quoi. C'est Seb, hein. Entre-temps, Sébastien, qui a enfilé son costume, tente de se motiver. Bon, on va le gérer. Ouais, on va le gérer. Ça, c'est sûr, Sébastien, car le plus dur reste à faire. Dans quelques instants, la soirée va enfin commencer. Là, il y a beaucoup de garçons c'est vrai, qui débarquent et bah, c'est marrant parce que ça commence souvent par des garçons qui arrivent. Mais bon, on verra bien, pour l'instant, il y a du monde. D'accord, les garçons, c'est bien, mais ce sont des filles que Sébastien veut rencontrer. Seront-elles au rendez-vous? Retour en région parisienne. Aujourd'hui, Sabrina a rendez-vous dans le salon de tatouage de son amie pour parfaire un dessin. Surprise, elle a réussi à convaincre sa mère de l'y accompagner. Salut! Bonjour! Salut, ma belle! Ça va? Ça va. Ça va? Ça va. Tu m'attendais? Bah ouais. J'ai réussi à amener ma mère. Bonjour. Donc c'est un exploit, hein? Oui, on a fait un exploit de venir. Yolande a une véritable aversion pour les tatouages. Si elle a accepté de venir, c'est uniquement parce que Sabrina a longuement, longuement insisté. Maman, tu vas pas tomber dans les pommes? Non, pas du tout. T'es sûre? Maman, elle est verte, là. T'as jamais vu? Non, j'ai jamais vu. Jamais vu? J'ai pas des tatouages, jamais. Ah! C'est une première, alors. Fini, mais jamais... Non, il n'est même pas fini. Après, il y a tout un lacet à faire derrière, il y a tout un truc. Ça fait 10 ans qu'on se connaît, ça fait 10 ans qu'elle me fait la misère. Hein, donc, Pour Yolande, le tatouage, c'est moche et ça fait mal. Elle pense que si sa fille s'inflige volontairement cette souffrance, c'est parce qu'elle ne va pas bien. Et c'est douloureux? Douloureux, c'est une façon de parler. On va dire que ça n'est pas agréable. Mais après, bon, un tatouage, ça se mérite.
Ce qu'elle comprend pas, en fin de compte, c'est la douleur que les gens... Pourquoi ça fait mal et le font douloureux, quand même. Il faut pas non plus exagérer. Il faut savoir que le corps, il sécrète de l'endorphine. Donc, en fait, ça va piquer pendant 5 bonnes minutes. Et après, le corps s'adapte quand même. Quand on se fait un tatouage, à la base, c'est quand même quelque chose de réfléchi. On en discute avant. Il y a une maquette de préparer. Ce n'est pas fait non plus comme ça d'un claquement de doigts. Les arguments de Vicky, la tatoueuse, n'ont pas vraiment l'air de convaincre Yolande. Mais cette dernière relance poliment la conversation. Les tatouages, je les choisis sur album, comment ? Je peux regarder un album et ça peut me plaire. Il y a des trucs qui vont me plaire. Ah, mais on regarde tout, tout va nous plaire, à la limite quasiment. Mais après, il faut que ça te corresponde. Chacun a son style. Il y a des gens, ça va être moi, du maori. Moi, je sais que Sab, je la vois pas avec du chinois, du japonais. Les tatouages japonais, c'est non, pas parce du que tout je suis son pas truc. Zen. Sab, c'est du tribal, c'est du noir, c'est des choses un peu excentriques et voyantes. Sabrina espérait que cette séance permettrait à sa mère de voir les tatouages sous un nouveau jour. Mais Yolande ne semble pas avoir changé d'avis. Je peux pas comprendre, en voyant une seule fois faire un tatouage, toute sa démarche, parce que bon, ça demande réflexion et... Mais ça, je suis quand même un peu plus rassurée, quoi. Bon, tu fais bien tes soins, hein, par contre. Ouais, comme d'habitude. Si Yolande a accepté d'accompagner Sabrina au salon de tatouage, elle n'abandonne pas pour autant l'idée de la faire changer de look. Elle l'entraîne donc dans une boutique qui propose des vêtements dans lesquels elle aimerait voir sa fille. Bonjour. Mesdames, bonjour. Yolande trouve que sa fille est beaucoup trop provocante. En douceur, elle essaie donc de l'aiguiller vers des tenues moins extravagantes. Mais avoir la tête de Sabrina, ce n'est pas gagné. Elle est pas trop mal celle-ci. T'irais pas? Si, pour un enterrement. Tu veux pas l'essayer, Sabrina? Oui, je vais l'essayer, mais tu verras. Vas-y, rien pour que tu voyes. Alors montre-moi. Regarde-toi dans la glace. Non, comment? J'ai pas un enterrement, là. C'est abusé. Et avec un accessoire complémentaire, peut-être? Non, mais là, c'est pour porter avec un slim. Donc ça te plaît pas? Non, mais je vais te trouver autre chose. Yolande voit bien qu'elle a fait fausse route, mais elle ne s'arrête pas là. Par chance, elle tombe sur ce haut bien flashy. Ça y est, Yolande en est sûre, elle a déniché la perle rare. Tu veux pas essayer un maillot sympa? C'est pour les personnes âgées, ça. Ah non, moi je mets pas ça, moi, regarde. Ah mais moi non plus. Faudrait le couper là pour qu'il soit bien coupé là. Non mais après toi tu l'arranges avec une petite ceinture. J'arrange avec des ciseaux, oui. Mais je vais te montrer, tu verras. J'ai toujours raison de toute façon. Alors qu'est-ce qui te plaît pas dans ce petit chose? Sabrina fait la tête et va très vite trouver la solution pour prouver à sa mère que ce haut est bien trop couvrant pour elle. Bah moi pour qu'il soit bien je le remettrai comme ça, tu vois. À peu près. D'accord. Bon, bah écoute, on va regarder autre chose. La tentative de Yolande pour rendre Sabrina plus classique est un échec. Pourtant, toutes les deux vont finalement trouver un terrain d'entente, mais seulement sur les accessoires. Ouais, c'est pas la même couleur, mais ouais, avec des vêtements qui vont avec, oui, très bien. Il est beau? Oui. Il est très beau, hein. Aujourd'hui, tout le monde y a mis du sien, ou presque. Sabrina a essayé de faire comprendre à sa mère que ses tatouages et son style excentrique ne cachent pas un mal-être. La jeune femme ne compte pas en rester là. Pour rassurer sa mère, elle a prévu de consulter une spécialiste en développement personnel en sa présence. Mais à qui cet entretien réserve des surprises? Mère ou fille? Avec les codes que vous véhiculez, on s'arrête uniquement à votre physique. Et c'est vraiment dommage. Dans un instant, chez Sébastien, alias Superman, la soirée va commencer. Sa sœur lui a lancé le défi de séduire une fille, mais le super-héros sera-t-il à la hauteur? Intérieurement, je commence déjà un petit peu à flipper aussi. Il m'a parlé qu'il y avait des filles qui venaient à la soirée. Denis, quant à lui, va tenter le tout pour le tout. Proposer à son père de sortir avec lui en ville pour la première fois alors qu'il est habillé en fille. La réponse sera-t-elle celle qu'il attend depuis si longtemps? Toi, ça te dérange pas, mais moi, ça me dérange un peu, quoi. Ce soir, à Régnier, en Haute-Savoie, Denis n'a pas d'extension de cheveux. Son maquillage et sa tenue sont plus soft que d'habitude, enfin, selon lui. S'il a fait cet effort, c'est seulement pour convaincre son père de sortir avec lui alors qu'il est habillé en femme. Car il souffre beaucoup de ce rejet. Ça va? Tranquille, tranquille. Ça va, va. Ça va, petit Denis? Ça va? Ça va, petit Denis?
Denis, qui appréhendait un tête-à-tête avec son père, a de la chance. Sa belle-mère et ses deux demi-sœurs sont encore autour de la table. Il saute donc sur l'occasion pour poser directement la question qui fâche, même s'il est un peu mal à l'aise. T'es venu aussi pour savoir si tu voulais sortir, aller boire un coup. Attends, je sais pas, aller au chaudron ou au central. Ici ? Non, je comprends pas. Pourquoi ? Bah non, pas ici. Première tentative complètement ratée. Timide et discret, Jackie est très différent de son fils, mais Denis ne lâche rien. Toi, ça te dérange pas, mais moi, ça me dérange un peu, quoi. Ça t'embête vraiment, vraiment ? C'est un petit peu trop voyant, quoi. Voilà. Je sais que les gens, ils sont un peu méchants, des fois, donc je préférerais pas, voilà. Mais comment dire, enfin, ça te dérange pas ici, mon style ? Quand je suis chez toi, ça te dérange pas ? Non, bah, t'es toujours bienvenu, quoi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Juste le fait de sortir avec moi. Moi, comme voilà, ça, ouais. Je te dis, c'est par rapport. Voilà, c'est le quand dira-t-on, voilà. Ah. Toi, t'aimes bien provoquer, moi, je préfère pas. Voilà, ouais, c'est vrai. Voilà, Denis ne réussit pas à convaincre son père qui campe sur ses positions. Marjorie vient alors à son secours et tente une autre approche. Mais sinon, dans un lieu où tu connais pas spécialement quelqu'un, ça passe. Genre à Annecy. Voilà. Si un jour on va à Annecy et tout. Genre un peu une ville, tu vois, qui... Annecy, Genève et tout. Genève, ah, voilà. Tu vois, des genres de grandes villes, quoi, voilà. Donc la prochaine fois, si... Comme ça. J'arrive là, je débarque, on arrive à Annecy, je débarque comme ça, ça... Ça te dérangera pas du tout. Alors, en été, alors. En été. La possibilité d'une sortie dans une grande ville où personne ne les connaît pourrait être une solution. Cela éviterait les ragots de quartier. Mais Jackie n'a pas dit son dernier mot. Si c'est trop extravagant, là je crois que je viendrai pas, quoi, franchement. Ouais, ou même, mais je peux venir. Enfin, il n'y a pas de problème, c'est venir ici, quoi. Voilà, voilà. Mais enfin, bon, peut-être je veux dire, même. C'est ton délire. Ouais. Et je crois pas que je le partagerai. Ouais, ouais, bah non. Par rapport à... Jackie a du mal à comprendre les envies de son fils. Il semble ignorer sa souffrance et pense que son refus de s'afficher avec lui en ville est tout à fait légitime. C'est pas du rebut, mais bon, voilà, je serai. Je me montrerai pas avec lui, comme ça, voilà, ça c'est sûr. Elle fait ce qu'il veut, voilà, c'est tout, je veux dire, mais bon, bah c'est tout, voilà. Chacun fait ce qu'il veut, mais j'ai pas obligé de me mettre dans ses extravagances. Voilà, dans son délire, voilà, ouais. Je veux bien faire un effort, mais bon, voilà, à un moment, il faut s'arrêter, quoi, je veux dire, voilà, voilà. Je pense que beaucoup de gens pensent comme moi. Déçu par la réaction de son père, Denis part se réfugier dans la chambre de ses petites sœurs qui, elles, adorent son look. Pour ses petites filles, Denis est même un modèle. Denis, ouais. Regarde comment ma chérie. Au revoir, ma chérie. Bien, trop jolie, ma chérie. T'as mis le même chapeau. Mon chapeau. Grosse tête. Avec ses deux sœurs, Denis fait bonne figure, mais au fond de lui, il est très triste. Ce soir, il espérait se rapprocher de son père. Finalement, cette discussion les a encore plus éloignés. Je me sens pas trop compris. Ce que je veux faire ressentir, même si c'est pour la provoque, il y a aussi le fait que ben il y a l'esthétisme et tout. Je sais pas vraiment s'il comprend très bien. Les efforts vestimentaires que Denis a fait pour renouer avec son père n'ont pas été suffisants aujourd'hui. Il avait sous-estimé le fossé qui le sépare de son papa. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Denis. Il a longuement fait le point sur sa situation et envisage de tout remettre en question. Quand il imagine son avenir, il y a une chose dont il est sûr. Je déteste être seul, vraiment. J'aime pas du tout ça et c'est pour ça que je pense vraiment que comme je suis très proche de mes parents, à force de mettre une sorte de pression sur moi en me disant « tu devrais mieux t'habiller, machin », c'est vrai que je vais devoir mettre sûrement un terme à ce style. J'ai vraiment pas envie de perdre ma famille, j'ai toujours envie de rester avec eux, qui m'aiment toujours autant. S'il faut vraiment, vraiment, vraiment changer de style pour ça, ça serait dommage, mais bon, je le ferais, quoi. Je préfère ma famille que mon style. Au fond de lui, Denis espère ne pas en arriver là, car abandonner ce look, c'est perdre une partie de lui-même. À Toulouse, quelques jours plus tard, il est 8h30 du matin et miracle, nous retrouvons Marjorie déjà réveillée. Plus motivée que jamais, la jeune fille a décidé de se prendre en main. Fini les réveils à midi quand on veut concrétiser ses projets, il faut se lever de bonne heure. Je me suis levée tôt aujourd'hui, donc je vais aller dans Toulouse un petit peu. J'ai repéré quelques boutiques qui seraient susceptibles de pouvoir éventuellement vendre ma marque. Marjorie souhaite commercialiser ses lunettes et comme il faut un début à tout, même petit, elle a décidé d'aller elle-même démarcher les boutiques toulousaines.
Marjorie espère que son look atypique sera son arme majeure pour convaincre les professionnels de travailler avec elle. Je pense que le fait que j'ai un style original, un style extravagant, ça peut m'aider dans mes démarches. Ce que je leur propose aussi, c'est ce que je porte sur moi. En fait, ça fait partie de mon style, donc ils le verront sur moi, la façon que j'ai, le style que j'ai, etc. Et donc, ils me prendront forcément peut-être plus au sérieux. Direction le centre-ville de Toulouse. Marjorie y a repéré quelques magasins susceptibles d'être intéressés par ses créations. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Donc là, ils travaillent avec les grandes marques et ils ne travaillent pas avec les particuliers. Donc c'est vrai que je ne peux pas leur amener mes lunettes parce qu'ils n'ont que des vêtements et des accessoires de marque. Marjorie ne se démonte pas. Bien déterminée à trouver des acquéreurs pour ses lunettes, elle tente sa chance dans cette boutique. Et ça, c'est un modèle un peu plus particulier. Voilà. Donc c'est un petit échantillon de ce que je fais en fait. Ouais, ça fait longtemps que ça... Ça fait 2 ans que je fais ça en fait. Ouais. Ça fait 2 ans que je l'ai créé. Et je continue à en faire, à chercher, à trouver de nouvelles idées. Ouais. Les créations originales de Marjorie semblent plaire. Ce patron de magasin paraît convaincu. Après, ouais, si tu veux, si tu peux nous ramener quelques modèles. Après, moi, je peux voir si on peut t'en exposer quelques-unes. Voilà, ça fait un peu de promo, ça fait super. Un prix, quoi. Ben, ce que je fais, c'est que je ramène les 2 meilleurs modèles. Ouais. Donc, je te les laisse et puis tu me dis après. D'accord. Ouais, sans problème, ça, y a pas de souci. Cet échange prometteur avec un professionnel conforte Marjorie dans son envie de se lancer sérieusement dans la création d'accessoires hip-hop. Enthousiasmée par ses nouvelles perspectives, Marjorie n'a qu'une envie, rentrer à la maison pour partager sa joie avec sa mère. Hey. Salut. T'étais où? J'étais en ville. Je suis montée, rentrée du travail, j'ai vu que la chambre était vide et je fréquente avec kidnappé, moi. Je me suis fait du souci. Non, j'ai mis le réveil ce matin et je suis partie en ville. Marjorie n'a jamais été aussi sûre de son potentiel. Enfin, elle a un objectif concret. Eh ben ouais, donc du coup, ben, il m'a laissé sa carte en fait. Mmh. Et donc, ben, je vais voir avec eux pour éventuellement y retourner, voir comment on peut faire, etc. Donc c'est super. Au moins, ça a pas servi à rien, notre discussion. Je vois que tu te bouges un peu quand même. Hein. Non, ouais, c'est bien parce que ce que je fais sur Internet, c'est une chose. Après, je peux aussi faire des trucs comme tu dis, donc faire des trucs aussi... Dans le réel, donc aller faire des démarches et tout ça pour des boutiques, etc. Je suis très fière de toi, ma fille. Merci, maman. Magali est un peu rassurée de voir Marjorie enfin décider à prendre sa vie en main. C'est un début, mais la maman reste vigilante et compte bien continuer à surveiller sa fille de près. Je vais la booster plus que je faisais jusqu'à maintenant et... Tout ce que j'espère, c'est que voilà, qu'elle continue dans sa lancée. Cette récente expérience a remis les pieds sur terre à Marjorie et l'a rapprochée de sa maman. Le fait d'avoir discuté avec ma mère, j'ai compris son inquiétude. C'est pour ça que je veux lui prouver que je fais des choses sérieuses et essayer de la rassurer un maximum en fait. Et même qu'elle soit encore plus fière de moi. C'est donc une nouvelle Marjorie qui prend son envol, mais la jeune fille ne compte pas pour autant renier sa personnalité. Je compte pas changer, au contraire. Je vais plus développer, plus travailler mon image encore et toujours rester dans l'originalité. Et jamais je reviendrai comme Madame Tout le Monde ou j'ai pas envie de retomber dans l'anonymat ou d'être comme tout le monde. Parions que l'avenir de Marjorie sera aussi brillant que les strass de ses extravagantes lunettes. Retour chez Sébastien, ou plutôt Superman, en Moselle. Le jeune homme est un peu tendu, car la fête dans laquelle il a misé tant d'espoir va bientôt commencer. Sa sœur lui a lancé le défi d'essayer de conquérir une fille ce soir. Intérieurement, je commence déjà un petit peu à flipper aussi. Elle m'a parlé qu'il y avait des filles qui venaient à la soirée. Elle a un peu poussé pour que j'essaye de les approcher, effectivement, discuter un peu avec. Mais bon, je crois qu'on me demande peut-être un petit peu trop. Ça y est, Sébastien se lance et fait son entrée en héros. Ah ben d'accord, vous me faites quoi là? Ça va pas, il faut une ambiance là. Bougez mais pas, c'est bougez un peu raté. Préparez-vous, bougez pas, attention, on se refait, attention. 1, 2, 3, c'est à vous, hop là, hop là.
Vous faites quoi là? Car pour le moment, l'appartement est presque vide. Les convives se font attendre. Et quand ils arrivent enfin, eh bien, déception. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les filles ne sont pas vraiment au rendez-vous. Là, il y a beaucoup de garçons avec qui débarquent. Et c'est marrant parce que ça commence souvent par des garçons qui arrivent. Mais bon, on verra bien. Pour l'instant, il y a du monde. Mais ça va vite être la panique. Petit à petit, quelques habitués débarquent. L'ambiance est bon enfant. Sébastien en profite pour montrer avec fierté ses nouveaux jouets. Ça, c'est une manette officielle de compétition Street Fighter 2. C'est pas la manette que t'as quand t'étais petit, hein. C'est la manette de compétition. Tu peux taper dessus, elle est indestructible. Les dernières trouvailles de Sébastien ont l'air d'amuser ses invités. Toujours prêt à se faire remarquer, Sébastien assure le show et un super héros au platine, ça donne ça. Est-ce que vous êtes prêts? Et même quand les convives commencent à partir, Sébastien ne se démonte pas. Motivé, il tente tant bien que mal de créer une ambiance discothèque dans son appartement. Franchement, ça fait Star Wars, quoi. Hein, on s'y croirait presque. C'est un peu le bordel, quand même, mine de rien. Le temps d'une soirée, Sébastien est au centre des attentions et se sent invincible. Mais sa sœur Sabrina sait que sa personnalité excentrique est en fait une carapace. Il manque un peu de Superman dans sa vie actuelle. Un petit peu plus de pouvoir, on va dire, entre guillemets, qui se sectorialise un peu plus et qui prenne plus confiance en lui, parce que c'est vrai que niveau costume Superman, il se sent bien. Mais c'est qu'une image, c'est ça qui est dommage. Donc en Clark Kent, il faudrait qu'il soit pareil, qu'il s'imagine d'avoir le costume sur lui et se dire il faut que je sois un peu Superman dans ma tête et qu'il oublie le costume. À la une, à la deux, deux, ouais. Et si ça sonne, ça doit être les flics qui arrivent là maintenant. Sébastien garde le sourire, même si finalement aucune fille célibataire n'est venue et aucune des personnes qu'il a invitées dans la rue n'a poussé la porte de son appartement. Le lendemain, Sébastien retrouve sa sœur qui l'a convoquée chez elle pour faire un débrief de la soirée. Hello! Salut, ça va? Et toi, bien? Comment c'est? Ouais, tranquille. Face à l'échec de la veille, Sabrina, déterminée à caser son frère aîné, pense à une autre solution pour qu'il trouve l'âme sœur. Une solution qui transformerait son excentricité en atout. T'as jamais pensé en fait à aller voir sur internet si tu veux pas une fille avec des points communs avec toi et tout? Comme ça, tu trouveras une fille avec les mêmes délires que toi. Bah écoute, j'ai qu'à attendre qu'une fille tape sur internet. On verra bien, recherche Superman. Essaye, il faut que tu mettes une photo de toi sur internet, Superman, cherche Superwoman. Quelque peu de chance, c'est une femme déguisée en super-héros qui va arriver. Bah ouais, ouais. Sébastien n'a pas l'air convaincu. Mais Sabrina insiste, persuadée que son frère souffre en réalité d'un manque d'assurance. Elle tente de le motiver. Tu prenais confiance en toi. Hein. T'étais confiant quand t'étais dans la rue et tout. T'avais fait qu'il te souriait, t'étais aux anges. Certainement, mais c'est aussi beaucoup d'impression, faut pas croire. C'est un masque aussi, hein, c'est un petit peu, c'est un déguisement là-bas, là, faut pas se leurrer. Hein. Si j'étais vraiment super-héros, j'aurais pas ce problème là. Le discours de Sabrina sur l'importance de trouver l'amour a fait réfléchir notre héros. Sébastien se demande, au fond de lui, s'il ne doit pas changer. Car il le sait, un futur ne s'écrit pas seul. Et son dévouement aux autres ne peut pas tout combler. Aider les autres, c'est ce que je fais de mieux. J'aime faire ça, j'aime que les autres se sentent bien. Et je m'oublie un peu parce que ben, moi, je me sens bien en les aidant, justement. C'est ça, le truc. Mais je vis par rapport à leurs remerciements, à leurs sourires, en me disant, voilà, on m'apprécie pour ce que j'ai fait ou ce que je vais faire. Après, moi, ben, j'essaie de m'occuper un peu de moi, mais c'est pas toujours évident. Je passe toujours au second plan. Je sais pas pourquoi, parce que j'étais toujours plus vers les autres que vers moi. Grâce à sa sœur, ces questions qui tournent dans sa tête commencent à trouver des réponses. Je pense que le problème vient de l'assurance. Je pourrais me dire un jour, ben voilà, finalement, pourquoi tu n'as pas confiance en toi? Tu as fait quand même des choses formidables. Ouais, de me dire un peu plus tard dans l'avenir ou dans les semaines ou les mois qui viennent, bon ben voilà, finalement, je suis quelqu'un de très bien. Je vois pas pourquoi j'aurais peur de me présenter, de me dire, voilà, je suis comme ci, je suis comme ça. Si j'assume avec un costume de Superman, je vois pas pourquoi je serais pas capable d'assumer sans. Et voilà, à voir. Aujourd'hui, pour la première fois, Sébastien a pris le temps de penser à lui. Maintenant qu'il s'est enfin avoué que son costume n'est qu'un refuge, sa vie va peut-être changer. Fools in love.
En banlieue parisienne, nous retrouvons Sabrina, la bimbo ultra tatouée et maman de deux jeunes garçons. Aujourd'hui, elle a organisé un rendez-vous avec une conseillère en images. Sa mère sera présente et Sabrina espère que le discours de la professionnelle la convaincra d'arrêter de lui reprocher son apparence. J'aimerais bien que ma mère me comprenne plus, c'est-à-dire qu'elle voie que je peux me permettre ce genre de vêtements pour la plupart du temps. Après, bon, c'est vrai, quand on n'a pas le corps qui va avec ou quoi, je comprends. Moi, je pense qu'elle pourrait faire un effort de dire ma fille, elle est comme ça. Depuis le temps qu'elle l'est, je pense qu'on ne pourra plus la changer, quoi. Donc j'aimerais vraiment qu'elle m'accepte comme je suis. C'est donc ensemble que mère et fille se rendent chez la coach en images. Sabrina abat sa dernière carte. Si la professionnelle va dans son sens, Yolande n'aura plus d'arguments pour l'attaquer sur son style. Bonjour. Merci. Fanny Pillet est consultante en communication par l'image de soi. Elle s'intéresse tout particulièrement au développement personnel et au bien-être des personnes qu'elle reçoit. Je suis venue vous voir parce que avec ma maman, on n'est pas très d'accord sur un peu ma façon de m'habiller. D'accord. Elle trouve que j'en fais trop, que c'est trop provoquant pour elle, à son goût. Alors la première question qui va m'aider justement à vous répondre, c'est de savoir pourquoi vous avez choisi ce mode de communication-là au lieu d'un autre. Je ne l'ai pas pris comme un mode, moi, en fin de compte, de communication. C'est-à-dire, je me mets devant le miroir le matin, j'ai envie de mettre ça, je mets ça, je me maquille comme ça parce que je trouve ça joli. Ou alors, je vais dans un magazine, ça m'a beaucoup plu, j'essaye un peu de reproduire. Mais après, je ne sais pas, je ne me soucie pas des gens, en fin de compte, de l'extérieur. Yolande ne dit mot, mais écoute attentivement. De son côté, Sabrina est sûre d'elle et le montre. Fanny cherche alors un moyen de lui faire comprendre que son look de bimbo peut parfois avoir des conséquences négatives sur ses rapports avec les autres. Avec les codes que vous véhiculez, on s'arrête uniquement à votre physique. Et c'est vraiment dommage qu'on laisse pas la place à votre intellect. Je ne sais pas si c'est à moi de m'adapter ou si c'est aux gens, c'est-à-dire que moi, je suis comme je suis. Et pourquoi c'est pas eux qui doivent faire des concessions et essayer de me connaître, c'est-à-dire... Même si la coach a visé juste, Sabrina ne se démonte pas et reste sur ses positions. Fanny tente alors une dernière approche pour percer la psychologie de Sabrina. Pourquoi vous ne laissez pas la chance à tout le monde, justement? Je pense que plus on côtoie des gens et plus on a un cercle large, pour moi, plus c'est une source de problème. Oui, donc en fait, vous mettez une vraie barrière. Mais je vois pas trop l'intérêt de connaître beaucoup de gens, ça, parce que je n'ai pas le temps de les convaincre, de dire non, oui, je suis une personne bien, alors que tu me vois habillée comme ça, j'ai pas envie de perdre mon temps à leur expliquer. S'ils le savent pas eux-mêmes, bah tant pis. Pour moi, c'est les gens extérieurs qui ont un problème, c'est pas moi. Sabrina assume son style excentrique. Elle est bien dans sa peau, Fanny l'a compris. Elle tire donc un bilan plutôt positif de cet entretien et tient à rassurer Yolande sur la santé psychologique de sa fille. Là, vraiment, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Votre fille, vous savez qu'elle est nature. Elle s'assume telle qu'elle depuis 15 ans, plus de 15 ans. Donc après, c'est aussi un petit peu à vous de faire cet effort de l'accepter telle qu'elle est. Je l'accepte, hein, comme je l'ai toujours acceptée comme elle était. C'est simplement que j'ai fait des petites critiques, des remarques sur sa question vestimentaire. Oui, mais ça veut dire l'accepter dans son intégralité. C'est-à-dire, évidemment, vous acceptez votre fille, vous l'aimez, c'est votre fille, vous connaissez ses valeurs. Mais maintenant, pour aller plus loin, par rapport à son image, là vous voyez bien aussi que sur son image, il n'y a aucun souci. Fanny semble avoir trouvé les mots qui permettront à Yolande de voir sa fille autrement. Ça m'a rassurée dans le sens qu'elle m'a dit que ma fille, elle avait quand même une personnalité, qu'elle sentait bien dans sa peau, que c'était une personne entière. Donc quand on entend ça, je veux dire, ça rassure de voir une personne d'extérieur qui puisse analyser les choses. Cette séance a été plus que positive. Pour Sabrina, ce séjour à Paris se termine sur une bonne note. Elle semble enfin atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé, que sa mère se rapproche d'elle. Je suis contente qu'elle soit venue avec moi, qu'elle m'ait accompagnée, qu'elle ait pris le temps et qu'elle ait fait l'effort de s'intéresser à ce qui me plaisait. Qu'elle comprenne un peu plus ma démarche et pourquoi j'étais comme ça. Je pense que vraiment ça lui a ouvert un peu l'esprit, je dirais. Si Sabrina ne compte pas changer de look, elle tire tout de même un enseignement de cette rencontre avec la coach. Elle ne doit pas se refermer sur elle-même en attendant la critique. Si je prenais plus la peine d'expliquer aux gens, peut-être qu'ils me comprendraient plus, d'être plus de leur expliquer que je suis comme ça, au lieu de les laisser juste me regarder et se faire leur idée tout seul. C'est une bonne idée, mais rien n'empêchera les passants de se retourner sur elle dans la rue.
Denis, Marjorie, Sébastien, Sabrina, ils avaient tous à cœur de se démarquer des autres. Mais à trop vouloir être différents, ils s'étaient éloignés de leur famille. Certains se sont remis en question, d'autres, au contraire, sont plus déterminés que jamais à entretenir leur originalité. Mais une chose est sûre, chacun a fait un pas vers l'autre pour faire comprendre ce qui se cache derrière son excentricité.